plus difficile que de rester soi-même. Le monde est chaque jour plein de difficultés. Alors comment m'y prendre? C'est souvent un dilemme. Si la vie a toujours cette complexité. Rester soi-même. Au fond de moi mûrit l'intense volonté d'appliquer la formule d'un joli théorème pour transmettre aux autres avec habileté la valeur des choses, toutes celles que j'aime. Rester soi-même. Pour serrer à l'hypothèse, et puis devant les hommes, faire la démonstration, savoir trouver les mots, formuler une thèse, dans mon fort intérieur, garder ma conclusion. Rester soi-même. Je trace sur un schéma ma manière de faire et précise en abscisse mes données désirées et puis en ordonnée les valeurs que j'insère avec la diagonale faire passer mon souhait. Devant cet exercice qui est souvent cocasse, je dois me présenter comme un équilibriste. Dans la conversation, je joue à l'humoriste pour donner l'illusion que je me décarcasse. La valeur n'attend pas le nombre des années. Un enfant tout petit peut déjà s'affirmer. La sagesse de l'âge doit me déterminer à garder en moi-même ma personnalité. Rester soi-même.